Ces images ont été filmées voilà 2 jours dans le massif rocheux. Il semble que les tribus de gobelins, qui n'étaient jusqu'à présent qu'un simple désagrément, ont récemment fait tomber un avant-poste fortifié. Je tiens à vous remercier d'être venu si vite. Et docteur, merci de nous accueillir tous ici. Comment ces gobelins ont-ils pu en si peu de temps passer des arcs et des flèches aux chars et aux armes à feu? Où se trouve leur base? Et que faire pour contrer cette nouvelle menace? Nous devons immédiatement envoyer une équipe sur place pour tenter d'évaluer la situation. Y a-t-il des volontaires? Le massif, c'est en plein pays gobelin, ça. Je peux vous y emmener, mais je ne garantis pas que nous reviendrons tous. Victor? Victor Industries se réjouit de pouvoir tester ses tout derniers modèles de robots de combat sur le terrain. Si cette expédition nécessite un commandement humain, elle aura toutefois besoin de quelque chose de beaucoup plus puissant pour faire face aux armes des gobelins. L'équipement de combat de nos robots sera un atout indéniable pour la réussite de cette mission. D'autres volontaires, peut-être ? Parfait. Ryder et Victor formeront donc notre équipe de reconnaissance. Oui, docteur ? Avant que cette expédition ne soit validée, je voudrais vous présenter une de mes toutes dernières réalisations. Venez ! Ryder ! Lika, comment tu vas ? Bien, avec le docteur, pas le temps de s'ennuyer. Hein ? J'ai des trucs à faire, à plus tard ! Ok. Vas-y. Vas-y doucement, mon ami. Ça va aller. Eh ben salut à tous les amis, c'est Wentoo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Knack, donc un jeu PS4, et je ne suis pas tout seul. Depuis bien longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo ensemble, je suis avec Nono Life. Quand es-tu mon Nono? Ben ça va, en pleine forme, très heureux de faire une vidéo avec toi, la première de 2014, déjà bonne année et bonne santé à tous. Oui, surtout la santé, puis la thune aussi. Et la thune, beaucoup d'argent. Exactement. Donc on va vous faire découvrir en même temps que nous le début de Knack, qui comme a dit Wentoo, c'est sorti le 29 novembre 2013. C'est le line-up de la PS4. Oui, il fait partie du line-up de PS4. Voilà. On se demande pourquoi, mais bon bref, ça on en reparlera plus tard. Exactement. Donc on découvre en même temps que vous. Si vous avez vu l'intro, on comprend vite fait, il y a des gobelins qui attaquent les humains apparemment, et ils ont réussi à évoluer très rapidement. Donc là, c'est l'invention de ces humains pour contrer l'attaque des gobelins, c'est sûrement ça. Donc ouais. C'est Knack avec sa tête de hamburger, moi il donne faim. Mais bon, bref, je t'assure, je vais me taper un quick. Voilà. Donc là, ouais. Bon, on voit quand même que c'est assez fluide, mais on pourrait pas non plus dire que c'est digne de la PS4, hein, parce que franchement. Non. On voit que ça ressemble à de la fin de PS3, quoi, et encore. Et encore. Alors on récupère des morceaux apparemment, ouais. Ça nous fait grandir. Des reliques. Ils appellent ça des reliques. Et ah oui, avant qu'on oublie, c'est un jeu édité par Sony et développé par Japan Studio. Sony Japan Studio, donc on va dire que c'est Sony en tout court qui a fait le jeu entièrement. Hein, donc bien sûr, c'est une exclue. Voilà, exactement. Mais bon, oula, double saut, exactement. Oh, c'est joli. Alors. On va récupérer des morceaux. Bon, désolé, on parle pas beaucoup. Putain, mais... Ouais. C'est une découverte, donc ouais, on va pas forcément beaucoup parler. On vous donnera pas beaucoup d'infos parce que le jeu on le connaît pas. Voilà, mais vu qu'on a, on sort quand même la vidéo un peu plus tard que la date de sortie du jeu, ça fait quand même. Ouais, on n'a pas eu le choix. Hein. On a pas le choix. Merci ouais. la protection HDCP de la PS4. Putain, obligé d'acheter un. Toi aussi t'as galéré. Obligé d'acheter un splitter donc pour contourner cette putain de protection. C'est pour ça que la chaîne a été un peu en suspens. Mais ouais. Là ça va repartir. On a des splitters, on a tout le matériel. Exactement, donc, voilà. Mais même si le line-up est pas très intéressant. Non, pour la bête, de toute façon, les line-up de sortie, hein, c'est jamais. Jamais très ragoûtant, on va dire. Niveau le line-up de la PS2, franchement, il faisait pleurer. Oula, gros. Non, mais je gère, regarde. Hop là, je suis pas tombé. Bien joué. Voilà, donc. C'est.
Ouais, on va dire. C'est un jeu de plateforme, hein, de toute façon. Bah, non, même pas. Même pas ? Non, non, c'est. Comme disaient certaines de nos connaissances, c'est plus un. Enfin, c'est pas un jeu de plateforme, c'est un beat'em all. Un beat'em all, c'est ça ? Faut le prendre en beat'em all. D'accord. C'est pas un jeu de plateforme. Ok. Et le jeu a l'air enfantin, mais. Apparemment, il est assez dur. Il est très très dur, apparemment. Enfin, très très dur. Voilà quoi, faut s'y habituer. Ouais. Bon, je sais que là au début on est tout petit, mais on peut atteindre des tailles assez incommensurables à la fin. Ouais. Donc ça c'est assez intéressant dans le jeu. Mais on a vu pas mal de tests qui ont assez descendu le jeu. Parce que c'est vrai que le jeu techniquement c'est pas non plus. Ah non, non, mais c'est pas un jeu PS4. Hein. C'est clairement pas un jeu PS4. Ah, du tout. Et ouais, les notes en moyenne, JV.com lui a mis 10, PlayerOne.tv lui a mis 13. Donc voilà, c'est dans ces eaux-là. Hein. Ça vaut pas plus clairement. Ouais. Enfin, d'après ce qu'on a lu, après nous on va voir vraiment, puis on donnera pas une note de toute manière. Bah non, mais c'est une découverte, on vous fait le début. Hein. Donc je pense que vous avez dû voir quand même pas mal de vidéos sur ce jeu depuis déjà 2 mois. Mais bon, c'est vrai que nous, vu le salaire qu'on a, hein, on n'est pas des riches, on peut pas se payer tous les jeux qu'on veut, et puis comme disait One Two avec les problèmes de protection HDCP, comme j'avais dit dans ma vidéo de Resogun, c'est pareil, c'est assez galère. Oula, dommage. Petit bug graphique. Non, non, t'es passé en dessous. Je voulais faire passer pour un bug graphique. Non, t'as fait un fail, hein, laisse tomber. Voilà. Non, non, mais voilà. Donc là, on a quand même l'impression au début que c'est un jeu de plateforme, quoi. Là, quand même, ouais. Tu le vois. Oui, mais faut pas le considérer comme un jeu de plateforme, apparemment. Donc, si c'est du beat'em all, ouais. Bon, les touches, apparemment, c'est assez simple. Hein. Carré, c'est taper, X, c'est sauter, en double saut. Esquiver, c'est joystick droit. Oula, petite esquive. Hop là. Et apparemment, je crois que j'avais lu ça, je vais pas dire de conneries, mais un des gars qui a développé le jeu a bossé sur les Crash Bandicoot. Et les angles de caméra me rappellent Crash Bandicoot, moi. Dans un sens. Enfin, d'après les vidéos que j'ai vues, mais quand c'est dans la nature. Ouais. Tu verras que ça rappelle quand même pas mal Crash Bandicoot. Ouais, et on regrette tellement Crash Bandicoot, sérieusement. Ah, ils vont nous en sortir un nouveau. Ouais, on espère, mais il y a Ou une version HD du premier, quoi, mais je m'en fous. Exactement, mais qu'on puisse rejouer au moins à Crash Bandicoot, quoi. Non, parce que c'est vrai que c'est une référence en termes de jeu plateforme. Ah bah oui, oui, Crash Mais sauf que, comme tu dis, si c'est pas un jeu de plateforme, un beat'em all, c'est pas vraiment l'un des meilleurs beat'em all du monde. Ah non, non, non. Donc franchement... Bon, déjà, on peut voir que Knack a quand même pas mal grandi. Voilà. Mais ça, c'est même pas sa taille moyenne, je pense. Au vu des vidéos qu'on peut voir. Alors, on peut atteindre des tailles d'un immeuble, il me semble. Ouais. Donc, franchement, ce jeu, ouais. Tu vois, il n'y a aucun ralentissement, mais c'est vrai que ça pourrait être quand même beaucoup plus joli. Les décors. En même temps, heureusement qu'il est fluide. Hein. Ah, parce que t'imagines. T'as un jeu pas fluide sur PS4, j'en ai pleuré. Ce serait dommage. Hein, Il manquerait plus que les aliasing ou compagnie, tu vois. Exactement. Mais attends, on va voir dans la tour, parce qu'il y a du clipping. Ce serait dommage. Je me souviens pas. Ce serait dommage, hein. Franchement, qu'il y ait du clipping et tout, ça serait quand même décevant, hein. Enfin, vu la puissance de la console. Ouais, mais enfin, comme disait Sadako, notre ami PR1.tv, bah, c'est un jeu, tu sens qu'il a été développé pour PS3 et qu'ils l'ont mis sur le line-up de la PS4. Parce qu'ils étaient en manque de sortie. Ouais. Ah, d'accord, tu. Et il s'est déshabillé. Ah. Ouais, tout nu. Ouais, tout nu, tout petit. Non, mais c'est vrai que. C'est vrai que ça fait vachement plateforme pour l'instant. Mais oui, mais c'est que ça. Après, tu vois, c'est très répétitif. Hein, tu vois, il y a toujours les. Après, c'est le prologue, je pense. Hein, c'est le milieu d'entraînement pour apprendre les touches et tout. Apparemment, il ne doit pas avoir d'objets cachés à récolter. Il n'y a pas de collectibles. Si, il y a des collectibles, mais pas dans le prologue, mais plus tard. T'as des grottes cachées, t'as des collectibles. Voilà, ça, c'est des. Faut taper dessus. Taper. Ouais. Ouais. Ah, c'est sympa. Ok. Ok. Ah, c'est des attaques spéciales. On va essayer de les attirer. Hey. Ah ouais. Ah ouais, ça marche tout de suite mieux comme ça. C'est plus joli. Non, c'est vrai que, comme je dis, les couleurs sont assez sympas quand même dans ce jeu, mais... il y a plusieurs chemins. Okay. Mais c'est vrai que c'est pas transcendant. Non, 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 non. Enfin, c'est des couleurs, ouais. Je sais plus comment on dit, pas des couleurs chaleur, mais... Chatoyantes. Ah, oh, pas chatoyante, c'est pas ça que je veux dire, putain. Non, non, mais ouais, c'est... Enfin, voilà, quoi. Enfin, oui, personne m'a compris, puis moi non plus. Non, non, je laisse tomber pour mon explication, les gars. De toute façon, c'est une découverte, on va pas essayer de dire les pour et les contre de ce jeu. Hein. Fail, deuxième ouais, mais j'ai appuyé sur le joystick, j'aurais pas dû... j'ai fait une esquive alors que j'aurais pas dû faire ça.
Non, mais, ouais, mais c'est, les touches sont simples. Hein, et regarde, tu prends un coup et ta barre de vie, c'est un tiers. Et on est en facile, hein, on tient à préciser, on est en facile. Donc apparemment, ça paraît enfantin comme tu disais, mais c'est, apparemment c'est extrêmement. Non, non. De toute façon, si c'est vraiment après un beat'em all, c'est pas enfantin un beat'em all, quoi qu'il se passe. Hein. Ah bah, c'est, faut, même si c'est du bourrinage, il faut minimum esquiver les coups, réfléchir un. Ah, il y a du ralentissement quand même, t'as vu? Là, il y en a un joli. Ça craint. Hein. Ça craint pour de la PS4 sur un jeu qui est pas beau comme ça. Hein. Donc là, c'est comme ce que le prologue, je pense que c'est pas vraiment. Les décors sont identiques, mais après, je pense que. Ouais, mais attends, s'il y a ça maintenant, c'est ce que je disais, il peut y avoir du clipping après, quoi. Ah, c'est carré. Rond carré, ça fait de temps, ok. Ah, là, ils t'apprennent toutes tes compétences. Voilà. Donc la compétence d'avant, c'était le feu, là, c'est le vent. Ouais, en gros, on peut dire que c'est pas des éléments, mais c'est des combinaisons de touches. Je faisais que rond, ça faisait une onde de choc, là je fais rond carré en fait. Tu vois, ça fait le temps d'adapter rond carré. Voilà, ça fait ça. D'accord. Mais apparemment aussi, d'après ce que j'ai pu lire, les compétences que t'as là dans le prologue, ils t'apprennent. Ouais. Mais après, ça sera seulement vers les trois quarts du jeu que tu peux les activer. C'est pour ça qu'ils considèrent ça comme un beat'em all. D'accord, c'est donc que... en fait, tu perds tout dès que tu commences à jouer en fait. Ouais. D'accord. Apparemment. Ok. Donc faut les déverrouiller au fur et à mesure que t'avances dans le jeu, ouais. Donc si tu bats un boss, tu peux peut-être les déverrouiller pendant le joueur, comme d'hab. Mais après, c'est pour ça qu'il doit y avoir une certaine rejouabilité, parce que si tu les actives vers la fin, est-ce que tu peux revenir au début en New Game Plus ou un truc dans le genre, je sais pas. Bah je sais pas du tout, ceux qui ont fait le jeu, si vous voulez nous dire vos idées en commentaire, nous éclairer un peu plus sur ça. Bah par contre, Chris, un pote en commun, il me disait que... Dès que tu recommences un niveau, tu t'es petit. D'accord, donc tu passes un niveau, tu redeviens petit. Donc même si tu recommences un niveau avant, t'es petit. Donc si tu finis le niveau d'avant et que t'as récupéré des tonnes de pièces, c'est juste pour le niveau. C'est juste pour le niveau, tu perds tout après. C'est un peu dommage dans un sens, mais encore heureusement, tu commences un niveau, tu commences le chapitre 3, t'es immense. Ouais. Tu fais quoi? Tu brunes carré, je pense, et voilà. Et non, ça irait pas. Ouais, ça impose un peu de difficulté quand même, mais bon, c'est vrai que. Et non. Ah, mais Knack, il me donne faim, je te promets, il me donne faim, j'ai super la dalle, quoi. Bah, Knack, il mange, quoi. Knack, il mange. Ah, ouais. Bon, ouais, là, les couleurs sont assez jolies, mais c'est vrai que les décors, ils auraient pu être quand même beaucoup plus raffinés, quoi. Mais c'est là, c'est en matant les cinématiques que tu dis ouais c'est peut-être un jeu pour les enfants parce que ça fait très Pixar. Exactement. Mais non, fait, quoi. Non, pas du tout. C'est... Ah, les cristaux à récupérer. Je les avais vus. Les reliques. Ouais. Non mais c'est... Voilà, il y a beaucoup de verre, ça pique un peu les yeux quand même. Ouais. Voilà. Beaucoup de verdure. Beaucoup de verdure. Ça faut taper dessus je pense. Voilà, ouais c'est des pièces. Ouais. Ça augmente notre barre de vie, ah ouais d'accord. Ouais parce que plus t'es gros... Plus t'as de barre de vie, ouais, plus t'es résistant, ok. Non mais c'est assez intuitif les touches quand même, c'est très réactif. Ouais, de toute façon c'est carré, rond, carré joystick et basta, exactement, quoi. Exactement, ouais. C'est pas très, très compliqué à apprendre les touches. Bon, les... C'est très couloir. C'est très pour couloir. Pour l'instant c'est très couloir, arène, on dirait Rise. Sans déconner. Exactement. Mais tu vois, tu peux voir quand même une amélioration au niveau de la PS3 par rapport à la PS4. Les ombres, il y a beaucoup moins d'aliasing sur les ombres. Sur PS4 ou sur PS3 mais... Oui, ouais, voilà. Bien sûr, mais attends, mets-toi vraiment dans la lumière pour voir l'ombre de Knack. Donc là, tu vois. Oh. Ouais, non, c'est... Après, Knack, c'est un ensemble de morceaux, donc c'est vrai que c'est des trous au centre. Tu vas te faire foutre, toi, tu me balances des caisses. Faut que je fasse quoi, là? Pas d'insultes dans les découvertes et dans les tests. Je pourrais pas balancer la vidéo à Neito, c'est... Tu fais chier. Bah, tu balances un bip, je sais pas, moi. Ah, oh, petit saut. Ouais, petit sens cinématique, mais que toi tu ne peux pas faire. Je pense que tu sens que ouais, la porte peut se casser. C'est un endroit caché. Ouais. Sûrement. Ouais, ouais. Oh, bah, sûr et certain. On va voir ça. Un petit couloir, ouais, un coffre à déverrouiller. Alors. Un trophée, youpi. Vous avez gagné un objet caché. Vous pouvez également choisir le même type d'objet que celui trouvé ici par l'un de vos amis. J'ai rien bité. Pièce ralentisseur de temps. Votre collection. Ouais, d'accord. Ok. Ah, il y a 5 pièces à récupérer par niveau. Voilà, c'est ça les collectibles. Si vous récupérez toutes les pièces requises, Knack pourra construire et utiliser des gadgets spéciaux. Voilà, d'accord. C'est 5 pièces par niveau, par chapitre, je pense. Okay. Donc ça améliore un peu la puissance du personnage, quoi. Là, ça ralentit un peu le temps, apparemment. C'est ce qu'il disait au niveau de l'anneau. Ouais, mais ils disent pas comment l'activer. Alors, super technique. Rond, onde de choc, rond carré, tornade, rond, triangle, rafale. Okay. Alors, rafale, c'est quoi? C'est ça.
D'accord. Ah, mais il balance ses reliques pour attaquer l'ennemi. D'accord. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Aïe. Pff, GG. C'est joli. Non, mais c'est bien fait par contre. Et, oui, ouais. Il y a des effets qui sont assez jolis. Tu bien vois. Sûr, mais attends, mais ça, vous pouvez le faire sur PS3. Hein, je suis voilà. Désolé. Mais voilà. Mais c'est vrai que pour un début de line-up, c'est décevant. Quoi. Ouais. Le petit mur est cassé. Bon, ils sont assez apparents. Je l'ai loupé. Ouais, on peut atteindre une taille incommensurable. Mais de toute façon, oui, le truc qui est dur dans le jeu, c'est pas tous les jobs et cachés, c'est juste de battre les ennemis, parce qu'à chaque ennemi, il faut que tu utilises une technique différente. Ouais. Et c'est pour ça que c'est pas un jeu pour les moins de 12 ans, quoi, clairement. Ah, par contre, t'as vu, t'es vulnérable quand tu fais cette technique, là. T'as plus... T'es tout petit ouais, au moment tout où petit, tu récupères ouais. tes pièces. Mais... Non, mais il est. Sinon, c'est fun à jouer, mais c'est extrêmement répétitif, donc ça peut lasser des gens qui sont pas très patients. Ah, bah oui, c'est répétitif. Là, c'est franchement répétitif. Enfin, depuis tout à l'heure, je fais que tâter. Beat'em all, de toute façon. Et puis même, c'est en couloir. Parce qu'il y a des beat'em all où tu peux aller sur une map monde et tout, mais là. Ouais, mais attends, comment il s'appelle? C'est Dynasty Warriors. Ouais, il y a bah, ça. C'est répétitif quand même. Comment il s'appelle? Ah, c'est pas Naruto qui est sorti comme ça, c'est merde. One Piece. One Piece, voilà, One Piece Pirate Warriors. Bah, moi j'avais regardé des vidéos dessus. Et c'est bah, pas ok, t'as une map monde. Mais c'est quand même un jeu de combat quoi. Mais c'est un jeu de combat, c'est répétitif. Si tu vas à un endroit, tu te bats, tu vas à l'autre, tu te bats. Bah, sauf que là c'est pareil, mais c'est des couloirs quoi. D'accord. Voilà, deuxième objet caché. Oh, un splitter. Alors. Ouais, ok, d'accord. Okay. Signale au joueur lorsqu'une chambre secrète se trouve pas de knack. D'accord. Alors, merde, ça j'ai rien compris. Attends, est-ce qu'on va aller dans les menus pour voir? On va aller dans les menus. Collection. Alors, collection, gadget. Donc c'est des gadgets en fait. Donc en fait ces gadgets, ça nous les ils sont activés automatiquement. Donc ça veut dire que si je les ai trouvés, là je pourrais si ça dit que ça signale une chambre à secret. Ça te signale comment? Il y a un. Bah, peut-être que la manette va vibrer. Peut-être qu'il y aura un son dans la manette. Oui, parce que comme sur Resogun, la manette parle de temps en temps. Ouais. D'ailleurs, ça me casse les couilles. J'ai coupé le son de la manette. ça me saoule. C'est... Dans Killzone, quand tu joues par exemple, voilà, tu récupères des trucs. On peut casser les voitures ou quoi? Non, on peut pas casser les voitures. Ah, tu peux pas les balancer au moins? Attends, on peut pas récupérer. Fais une attaque tout dessus, je sais pas, une attaque sautée. Ah, j'ai plus de pouvoir, j'ai plus assez de force. Fais croix carré, une attaque sautée, je sais pas quoi. Non? Elle bouge un peu. Ah, sans déconner quoi. C'est même pas destructible. Bon, le bitume est assez joli. Ouais. Non, on se croirait dans Gran Turismo. Ouais, ouais. Mon dieu. Des pièces, voilà, récupérer. Ouais, vous voyez, c'est très répétitif, hein. C'est ouais, souvent la même chose. Pour l'instant, ouais, tu peux détruire les fleurs. Et puis... C'est comme pas pour récupérer des collectifs, tu vois. Donc on est très perfectionniste. Petit couloir, petite ouais. arène. Miss, Oh putain, elle va nous frapper avec. Oh là là, elle va nous fouetter, tu sais. Oh, la coquine là. Un petit coup de bâton. Au suivant, ah bah dis donc. Putain. Oh, des semi-boss, peut-être. Ils ont l'air un peu plus gros que les autres. Ouais. Alors, bah, là... Ils prennent des voitures. Eh bah eux bien sûr. Putain, foire. Petite esquive. Bataille. Allez, allez. Ah bah loupé. Oh, ils font mal, hein. Ils font mal. Waouh. Un tiers de ma vie est mort. Ouais. Est parti en. Putain, on est en facile, c'est le début du jeu. Ouais. Non mais c'est vrai que c'est un peu inégal au niveau de la difficulté, comment les gérer. C'est dommage. Parce que voilà, on pourrait. C'est pas enfantin du tout en fait, hein. C'est franchement. Ah non, 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 bah non. Alors, mais tu lâches un gosse de 12 ans là-dessus, il s'en sort pas. Hein, ah bah clairement. Il s'en sort. Oh le petit bug de collision. T'avais des cristaux, je crois, là. Ah ouais? À gauche, dans les fleurs. Non? Ah, ouais. C'est... Non, ouais. Ah, mais il y a trop de couleurs, ça pète les yeux. Ah, mais ça, faut jouer dans les réglages parce que c'est vrai que ça c'est assez rétine, c'est assez lumineux là. Ouais, c'est. Enfin, c'est même trop lumineux. Ouais. Bah après, tu vas faire un tour des options, voir ce qu'il y a déjà. Ouais. Juste pour voir. Et il a pas fait plouf. Ah non, c'est décevant. Il fait pas plouf. T'as eu ralentissement dans des petits trucs dans système comme ça. C'est moche quand même. Bon, faut dire que le jeu aussi, on l'a téléchargé. Il est pas en CD, il est en. Ouais, enfin. Il est en DL. Normalement, en DL, normalement, t'as pas de ralentissement comme ça. Hein. Mais voilà, pour de la PS4, c'est assez dommage. Hein. L'attaque de feu, je pense. Il vous faut 15 reliques pour débloquer Knack Vampire. Ça, ouais, c'est, quand tu tapes, ça donne de la vie, je pense. D'accord. Il t'en faut encore 15 comme ça. Il y a trop de fenêtres, on s'en fout. Ouais, jette un coup d'œil dans les options et si on peut baisser la luminosité, parce que. Eh ben non. Et il y a que ça. Ok. Bon bah voilà, ouais, donc c'est les options du menu de jeu, quoi, au début. Bon, et on voit quand même, tu vois, que c'est par chapitre.
chapitre 1-2, chapitre 1-3, chapitre 1-4. Et t'as... Chris me disait que t'avais lui en été au chapitre 12, donc... Au niveau de la durée de vie, ça peut être pas mal, mais comme c'est répétitif... Ça peut être vite lassant. Oh, bien joué. Et t'es obligé de l'esquiver. Je pense que tu vois, dans les difficultés supérieures, t'as pas l'aide au ralentissement d'esquive. Ouais, mais tant mieux, parce que alors, ça, là, tout le long du jeu, enfin, ça va, quoi. Porte à fouiller à droite, à gauche, putain, ma droite et la gauche, ah bah on est bien, on est bien. Et on n'est pas bourré, hein. À défaut des autres fois, hein. Ouais. Non mais là, voilà, on va chercher la petite pièce secrète. Pièce, le petit coffre à droite. Par contre c'est assez long hein, quand même le prologue, là. Je sais pas si c'est le prologue ou... Ah là c'est plus le prologue. Hein. C'est plus le prologue. Non, non, non. Prologue c'était dans les labos et là maintenant c'est... D'accord. À droite encore il y en avait. À droite c'est un petit coffre. Ah ouais. J'aimerais voir la taille qu'il peut atteindre, sérieusement. Ah mais oui, t'as le son de la manette, t'as le son des reliques, quoi. Ouais, ouais. Quand tu récupères les reliques, t'as le son de la manette. Bah je pars, ça va pas trop s'entendre. Non, non, moi, ça va, c'est pas trop fort. Par contre, les ennemis, ils sont pas très diversifiés, on peut voir. Ouais, pour l'instant. Derrière toi ! Tomber sur la gueule, tu vas rien comprendre. Oh, il a cassé la statue. Ouais, elle est spéciale parce qu'il y a des cristaux à l'intérieur. Voilà. Alors, c'était sa femme peut-être. Qu'est-ce qu'il dit? Salut, je baise une statue. Grosse soirée. Oula. La dernière fois je me suis fait la tour de piste, tout va bien. Non mais sans déconner, t'es con. Aïe aïe aïe. Non mais c'est assez intuitif les touches. C'est très réactif, donc c'est sympa. Tellement de... Voilà, mais il y a pas les bugs de collision, je les vois depuis tout à l'heure, je suis en train de pleurer. Ouais, il y a des bugs. Il y a des bugs. Ils auraient pu gérer mieux, gérer et ça. Tu vois, tu butes un ennemi, il disparaît. Toi, ils sont même pas capables de laisser... De les laisser les cadavres. C'est pour la PS4, quand même. Non, mais c'est pour ça, c'est pas un jeu PS4. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Bon, par contre, je pense pas qu'on va vous faire tout le jeu, hein, parce que... Non, non, non. Non, non, ça va. Ça fait combien de temps ? Ça fait 20 minutes. Voilà. Bon, on finit cette petite vidéo. Ouais. Et puis, Quelle fabuleuse démonstration, docteur. Elle lui fait des petites messes basses. Ouais. T'as vu mon bâton, tu vas te le prendre. Voilà. Ah, putain. Je pense que c'est elle, c'est la méchante. C'est la méchante du jeu. Et lui, c'est le blond stupide. Et là, il fait rip. Désolé pour ta femme. On a cassé sa statue, c'est con, hein. Ah, putain. Voilà. Bon, vous voyez, quand même, il y a des effets de lumière assez jolis. Mais pour moi, c'est très décevant. Ouais, non, mais attends, mais c'est aussi joli que Ratchet et Clank Nexus. Hein, exactement. Et c'est PS3. Et c'est de la PS3. Voilà. Donc ils sont pas foulés quand même. Enfin, non, puis Ratchet et Clank Nexus, c'est beaucoup plus joli. Enfin, ouais, mais il est assez décevant pour la série Ratchet, à part. Il est, oui, voilà. Enfin, moi qui suis fan, oui, il est clairement décevant. Voilà. C'est pour ça que j'ai même pas fait un test dessus. Voilà. Et on peut voir quand même, sur 20 minutes de jeu, c'est vrai que c'est plus du beat 'em up que du jeu plateforme. Ah oui, oui, j'ai fait que taper des ennemis tout à l'heure dans un couloir. Et... Couloir, arène, couloir. Voilà, donc les objets cachés, ils sont facilement trouvables, apparemment. Parce qu'ils sont tous sur le chemin, ouais. T'as des murs à détruire, c'est facile. Et le mur est moche derrière, hein. Je viens de remarquer, il est très moche. Oh mon dieu. Ah ouais. Non, non, mais c'est vrai que c'est pas très joli. Ça aurait pu être mieux fait. Bon, après, bah, ça aurait dû. C'est même pas ça aurait pu, ça aurait dû. Voilà. Là, c'est prendre un peu les gens pour des cons en sortant ça. Mais moi, tu vois, c'est plutôt un jeu qui devrait coûter 20€ en jeu arcade, clairement. Parce que le jeu coûte... Ouais, 30€ maxi, quoi. Enfin, ouais. D'ailleurs, si vous devez le choper, le jeu, mettez pas plus de 30€. Moi, je l'ai payé le prix fort, mais ouais, mettez-le pas plus... Attendez qu'il soit d'occasion, même attendez qu'il soit en promotion. D'occasion, ou de toute façon, au bout d'un moment, il va être gratuit sur PSN+. C'est un jeu Sony, c'est déjà pas le studio. Ouais, dans deux mois, il y aura déjà des réductions. Ouais, oui. Puis voilà. Sinon, Amazon ou Price Minister, vous chopez d'occasion. Exactement. Puis voilà. Oh, de la tapisserie, t'as vu? Ouais. C'est très mignon. C'est une tapisserie. Non mais ouais, c'est de la tapisserie aussi, sinon. Ouais, c'est du streaming en dessous, hein. C'est ça défile. C'est vraiment dommage. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de bons jeux en départ de la PS4. À part Killzone. À part Killzone. Resogun aussi. Killzone, Resogun, ouais, c'est les deux gros jeux du line-up. Hein. Voilà, après, Call of, Battlefield, faut arrêter avec ça. Même si Battlefield est clairement très très beau, mais vraiment très très beau sur PS4. C'est creux. Mais enfin voilà, en FPS, entre les trois qui sont sortis, entre Call of, Battlefield et Killzone, sans hésiter, prenez Killzone. Voilà, comme je vous disais dans la vidéo de Resogun, c'est
pour moi, ça surpasse largement Call of Duty, autant au niveau du solo que du multi. Bravo, largement. Bah, un solo de 10 heures, quoi, déjà. Enfin, voilà. 10 heures, allez, je suis peut-être pas abusé, mais ouais, 6-8 heures. Un peu plus compliqué, même si l'IA est assez perfectible à certains moments, voilà. On a chapitre 2. Ouais, bon, bah, je pense que, mes amis, on va s'arrêter là, parce que j'ai pas envie de vous faire un playthrough. Non, ouais, ça va faire 28 minutes, voilà. 25 minutes qu'on enregistre, donc on va s'arrêter là. La forêt est jolie de loin, mais loin d'être jolie de près. Hein. Ouais. Voilà. Donc, Ouais, on va se laisser là. Bah, avance un poil histoire de voir les décors. Ouais, juste histoire de. Juste voir, vérifier. Juste voir s'il y a du clipping ou pas. Mais attends, tu bouges la caméra ou elle bouge toute seule là? Ah non, ta caméra est la fixe. Caméra fixe. Ouais, ouais. Ouais, caméra libre. Enfin, libre, non, pas libre justement. Non, non, carrément collée au personnage. Bah, tu vois, c'est ça qui me rappelle Crash. Voilà. Cette vidéo, cette vue là. Ouais, bah, des trucs comme ça où t'avances. T'as une caméra fixe. Et tu devais sauter, alors. Enfin. Ouais. Par contre, on a oublié de dire aussi, le jeu est jouable en coopératif. Le deuxième joueur ne peut pas mourir, apparemment. T'es sérieux, toi? Ouais, il est jouable en coopératif. Je sais même pas. Et le deuxième joueur, il se régénère au bout d'un moment, même s'il est mort. Donc ça veut dire que. Mais il joue quoi? Il joue un knack, lui aussi? Il joue un knack, mais il peut pas évoluer, apparemment. C'est un petit robot que tu joues. Non, tu joues, un petit robot. Putain, je me suis fait toucher des sévères. Ah bah. Eh ben, je suis mort, voilà. Bon, on finit sur une belle mort. On skit sur un fail. Voilà, donc mes amis, Ouais. Merci. Encore bonne année. Bonne année, ouais, meilleurs vœux, tout, joyeux Noël. Alors, on va finir par vous dire que dans un moment, peut-être dans deux semaines, un mois, on va faire un concours pour vous faire gagner un Game Capture HD. Voilà, le game Capture HD, l'Avare Media 1. Ouais, l'Avare Media 1 Game Capture HD, parce que c'était pour vous dire la vérité, c'était celui à Nono. Mais Nono a changé de boîtier, tout comme moi d'ailleurs. Et c'est pour ça, on va vous en faire gagner un sur les deux déjà. Voilà, donc il est comme neuf. Hein. Et en lot numéro 2, on fera deux lots. Et je vous ferai gagner mon exemplaire de Call of Duty Ghost sur Xbox One. Voilà, parce que j'abandonne Call of. Oui, et puis autant te dire que tu l'as déjà en 3 exemplaires. Ouais, c'est pour ça, je râle le cul, tu sais. Ah, il est explosif, c'est pour ça. Enfin, vous me direz, j'ai l'exemplaire PS3 Xbox One, et le deuxième, il choisira entre les deux. Hein, parce que si vous n'avez pas encore les consoles Next Gen, bah voilà. Voilà, exactement. Bon, ça Oui, on va finir par les remerciements. Donc, remercier tous nos amis des différents groupes Facebook qu'on squatte pas mal. Donc BroGamers, PlayStation Universe et PlayStation World. Donc merci à tous les gars qui gèrent ça, Doudou, Jax, Calzone, Clem, Cassu. Putain, j'en oublie certainement, désolé les gars, mais enfin merci à vous de nous suivre et de nous donner le petit coup de main, la petite pub que vous nous faites. Et remercier nos amis de PlayerOne.tv, donc Sadako, Chris, Natsu et compagnie. Pour déjà la vidéo qui nous avait fait, le petit coup de pub qu'ils nous avaient fait dans un de leurs journal, il y a déjà 7-8 mois. Ouais, exactement. Et puis on a 2-3 projets avec Sadako justement, donc on va voir, on vous en parlera en temps voulu. Mais voilà quoi, donc merci à tous. Merci beaucoup. De nous suivre et tout ce que vous faites pour nous, toutes les idées que vous donnez. Ça fait quand même déjà un an, ça fait un an et deux mois. Quoi, et deux mois. Donc voilà, puis j'ai même pas envie de vous parler, parce que ça aussi je voulais en parler, mais ça m'énerve tellement que j'ai pas envie, de la pseudo nouvelle politique de YouTube. Ouais. Donc moi je vous dis juste, c'est un scandale. Après nous, on touche rien en thunes, pour vous dire la vérité, là, avec YouTube et Dailymotion, on a touché 30 euros en tout de monétisation. Voilà, donc c'est pas bon. Donc, et pour vous dire, là, avec Laver Media et compagnie, depuis le début qu'on a la chaîne, on vous a fait des cadeaux à hauteur de 300 euros en tout. Donc, vraiment, la thune que vous nous donnez par la pub de nos vidéos, nous, elle nous sert à rien. Elle nous sert strictement à rien. On en a rien à foutre. On fait ça pour le plaisir, déjà, à la base. Clairement. Ouais, mais après, tu sais, les gens, ils disent, ouais, tu fais ça pour le plaisir, mais tu te monétises. Bah ouais, nous, on se monétise parce que. Tout travail mérite salaire. Exactement. Donc voilà. Et après, et vraiment, ça nous rapporte c'est rien. C'est sûr que nous, c'est pas au niveau des grands youtubeurs qui sont là. Ah non, on fait pas 100% Call of, donc tant bien sûr que non, c'est toujours pareil. Mais voilà, même ceux qui font Call of sur YouTube, maintenant, on voit que ça baisse pas mal. Mais oui, ça baisse, hein, nouvelle politique et compagnie. Donc nous, on a une chaîne daily, donc je vous mettrai le lien dans la description. Je vous mettrai le lien parce que nous, ça fait un moment qu'on a une chaîne daily. Dailymotion, donc abonnez-vous là-bas aussi,
Parce que les. Enfin, c'est pour vous quoi. Les vidéos en 1080, vous pouvez les lire direct sur YouTube. Faut attendre 2-3 minutes pour qu'il la charge. Donc rien que ça quoi. Et comme nous, bah on fait que du 1080 maintenant. Ouais, c'est beaucoup mieux quand même. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Bah, désolé pour ceux qui ont vraiment une connexion de merde, ouais. Comme pour moi par exemple, je suis obligé de les lire en 720 ou voire en 400. Hein, donc, bah, c'est vrai. C'est assez moche, mais c'est après, vrai que... c'est moche pour le temps du cloud, hein, je peux vous le dire voilà, aussi. Exactement. Mais bon. Donc voilà, bah je crois qu'on a tout dit. On a tout dit, oui. Donc voilà, bah encore merci à tous. N'oubliez pas les j'aime, les commentaires, abonnez-vous si c'est pas fait. Et... parlez-en autour de vous, hein, comme d'habitude. Oui, faites tourner, likez, partagez. Et puis voilà, bon bah on vous fait des gros bisous les enfants. Et puis bah on se retrouve prochainement pour un nouveau test ou une nouvelle découverte. Allez, bisous, ciao. Ciao.